Il n'y en a pas. Bien, je recommence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot d'accueil donc, en ma qualité de maire sortant. Je voudrais saluer l'ensemble des élus du conseil municipal, toutes les personnes qui sont présentes. Donc, ce matin, c'est une séance un petit peu particulière, hein, vous le savez, pour cause de Covid et d'instructions ministérielles. Du coup, le nombre de places était limité, vous le savez, et on a aussi obligation de retransmettre en direct la séance. Donc, c'est ce qui est fait par une caméra qui doit être là ou là, quelque part. Et en même temps, il y a un film un peu plus élaboré qui est réalisé par la société Bitcom. Et ce film sera mis en ligne dès qu'il sera monté et dès la séance est terminée. Parce que la retransmission en direct, pour des histoires techniques de bandes passantes, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, fait que, bon, on a quelques petits soucis techniques. Donc, il y a une retransmission en direct, comment on peut dire, légère, on dira. Et puis derrière, il y aura un film de la séance un peu plus élaboré. Voilà, je passe immédiatement, comme la loi le demande, la parole au doyen. Alors, vous savez qu'à CRMI, on ne fait jamais les choses comme les autres. On avait deux doyens, en fait, deux personnes qui sont nées le même jour et ça a été départagé par l'heure de naissance. Donc, notre doyen, c'est M. Bernard Marais. Voilà, je te cède de suite la parole. Donc, je déclare la séance d'installation et appelle les élus du conseil municipal. Donc, M. Hervé Cherubini. Madame Bouquet-Fiorine, Audi, pardon. Monsieur Favergeon-Yves. Madame Mistral-Magali. Monsieur Colombé-Gabriel. Madame Plot-Ibel. Monsieur Houlet-Vincent. Madame Jodard-Françoise. Monsieur Milan Henry. Madame Lotz Lara. Ensuite, c'est moi-même, je rejoindrai le rang des conseillers plus tard. Monsieur Lapère, Madame Lapère Flavie. Excusez-moi. Eh oui, Lapère. Monsieur Nègre Yves. Madame Roussy Panchet Sophie. Madame Ménard-Catherine. Richard Marc, excusez-moi. Désolé. Madame Ménard-Catherine. Monsieur Ramage Benjamin. Madame Doris Juliette. Monsieur Clapier Jean-Pierre. Madame Wilde Mireille. Monsieur Roger Rodolphe. Madame Saladin Nathalie.
Monsieur Thomas Romain. Madame Perrault-Ravez-Gisèle. Monsieur Moron Jean-Jacques. Madame Gronchi Salvatori Céline. Monsieur Sifredi Mattia. Madame Dupuis Aoun Daniel. Monsieur Bouterin Pascal. En conséquence, toutes les personnes susnommées, régulièrement proclamées élues, sont installées dans leur fonction de membres du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence. Nous allons procéder à la nomination d'un secrétaire de séance. Article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ceux ou ses secrétaires des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Pour notre groupe, je propose donc la candidature de Juliette Doriz. Et est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Excusez-moi, monsieur le doyen, nous proposons la candidature de madame Dani Aoun. Sans observation ni opposition, je déclare la nomination acquise. Et prie de bien vouloir prendre place au secrétariat. Après avoir procédé à l'appel nominal des 29 des membres du Conseil, j'ai dénombré 29 conseillers présents et je constate que la condition de quorum posée à l'article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 rempli. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Attendez, il faut déclarer la candidature. Deux assesseurs. C'est maintenant. C'est après pour le dépouillement. Après le vote. Ouais, après le vote. Tu peux les désigner maintenant. Hein. Ouais. Il n'y a pas la candidature, je pense, c'est maintenant. Hein. J'attends que pour soit distribué. Ouais, ça va.
il convient préalablement de constituer le bureau. Sont proposés comme assesseurs les deux conseillers les plus jeunes de chaque liste. Pour notre groupe, Flavie Lapeyre, j'invite la candidate à se faire connaître. Merci. Pour le groupe, Céline Salvatori. Non, maintenant, on peut procéder au vote. Mais il faut demander qui est candidat. Oui. Je souhaiterais connaître les candidats qui se présentent à l'élection de maire de ce conseil. Oui. Nous ne présenterons pas de candidats au poste de maire et les élus de Renouveau Saint-Rémois ne participeront pas au vote. Bien, c'est enregistré. Monsieur le doyen, bon, ce sera une surprise pour personne. Hein. Je pose ma candidature au poste de maire de Saint-Rémy. Par contre, je n'ai pas eu de bulletin, je veux bien monter. Tout le monde a voté. Les deux assesseurs qui nous disent oui, après tu invites les deux assesseurs, hein, deux mains. Ouais.
qui invite Madame Salvatore, Flavie Lapierre au dépouillement. Voilà. Oui. Je demande aux deux assesseurs de nous rejoindre. Flavie, Céline. C'est pour procéder au dépouillement. Hervé Cherubini. Hervé Cherubini. Hervé Cherubini. Hervé Rubini. Hervé Cherubini. Hervé Cherubini. Monsieur Cherubini. Hervé Cherubini. Hervé Cherubini. Hervé Cherubini. Hervé Cherubini.
Hervé Chérubini. Hervé Chérubini. Hervé Chérubini. Hervé Chérubini. Hervé Chérubini. Chérubini. Monsieur Chérubini. Hervé Chérubini. Hervé Chérubini. Chérubini. Hervé Chérubini. Hervé Chérubini. Je vais les recompter. Oui, s'il vous plaît. Vous pourriez recompter le nombre de bulletins. Le nombre d'enveloppes, le nombre de bulletins. Le nombre d'enveloppes aussi, s'il te plaît. 22 bulletins.22 votants se sont exprimés. Autant de nombre de suffrages, 22. Donc, M. Hervé Chérubini a obtenu la majorité absolue. M. Chérubini est élu maire de Saint-Rémy. Merci. Merci à toutes et à tous. Je remercie Bernard Marais, notre doyen, d'avoir présidé cette première partie de CAS. Je remercie l'ensemble de la majorité municipale, donc les 22 élus de la majorité pour leur confiance. Je dirai peut-être un mot un petit peu plus long tout à l'heure, mais je vous propose dans l'immédiat de poursuivre donc dans l'ordre du jour de notre conseil municipal.
Ah, l'écharpe, oui. Pour la collection, oui. Merci d'avoir. Allez, merci. Les neuf, hein, tout plié. Bien, je vous propose maintenant, si vous en êtes d'accord, la création de 8 postes d'adjoints, comme le permet le Code général des collectivités territoriales, et en particulier ses articles L22-21 alinéa 1 et L21-22 alinéa 2. Voilà. Donc je vous propose la création de 8 postes d'adjoints, ce qui correspond, vous le savez, à 30% maximum de l'effectif du conseil municipal. Sur cette proposition de créer 8 postes d'adjoints, qui est contre ? Pas d'opposition, pas de contre. Qui s'abstient ? Personne ne... Alors, 7 abstentions, c'est ça ? Adopté à la majorité, merci. Donc voilà, nous avons créé 8 postes d'adjoints. Et maintenant, nous allons passer, délibération suivante, à l'élection des 8 adjoints. Donc, qui souhaite présenter... Alors, c'est une élection groupée, hein. On va élire les 8 adjoints, les 8 adjointes et adjoints. Qui souhaite déposer une liste pour les postes d'adjoints ? Monsieur Thomas, oui. Nous ne déposerons pas de candidature pour les postes adjoints et nous ne prendrons pas part au vote. Donne acte, Monsieur Thomas, merci. Oui, Monsieur Faverjob, peut-être. Avec le micro, avec le micro. Et bonjour à tous. Donc nous déposerons une liste de 8 adjoints, conformément à la délibération précédente qui a créé les 8 postes en question pour le conseil municipal. Bien. Vous pouvez peut-être rappeler le nom de 8. Je l'ai pas. Tiens, tu vas là. Tu vas là. Alors, dans l'ordre, la liste. Je commence par moi, je m'en excuse. Yves Faverjon, Florine Baudy-Bouquet, Gabriel Colombet, Magali Mistral, Vincent Houlet, Isabelle Plot, Henri Milan, Françoise Jodard. Ce sont les 8 adjoints qui sont proposés au vote du conseil municipal ce matin. Thank you.
Je propose aux deux assesseurs, si elles veulent bien. Vous voulez bien les compter, si vous voulez bien les compter avant. Oui, les compter, s'il vous plaît. Vingt-deux enveloppes. Alors, liste, défendons notre histoire, construisons notre avenir. 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 Liste, défendons notre histoire, construisons notre avenir.
22 bulletins. Merci. Donc, 22 enveloppes, 22 votants, 22 exprimés. Et donc, la liste présentée par majorité municipale, donc défendre notre histoire, construire notre avenir, a obtenu 8 adjoints. Donc, je vais appeler les adjoints à tour de rôle et leur remettre leur écharpe. Donc, a été élu premier adjoint, M. Yves Faverjeau. A été élue donc deuxième adjointe, Florine Baudy-Bouquier. Bravo. Troisième adjoint, Gabriel Colombé. Quatrième adjointe, Magali Mistral. Cinquième adjoint, M. Vincent Houlet. Sixième adjointe, Madame Isabelle Plour. Septième adjoint, Monsieur Henri Milan. Huitième adjointe, Madame Françoise Jaudard. Bien, félicitations aux uns aux autres. Bravo pour votre élection à ces postes d'adjoint. Et je vous rappelle qu'on démarre dès lundi. Voilà. Alors, on a encore quelques points à l'ordre du jour. Je me dois, comme la loi l'impose, de vous lire la charte de l'élu local. Et j'ai de la buée dans les lunettes. Ouais, c'est mieux en l'enlevant parce que sinon, je n'y arriverai pas. Donc, charte de l'élu local, c'est l'article L111, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, ici de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Article 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, l'exclusion de tout intérêt, qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause des affaires soumises à l'organe délibérant,
dont il est membre, l'élu local s'engage à le faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a désigné. Article 7. Du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà donc pour cette lecture obligatoire, je vous le rappelle, de la charte de l'élu local. Alors, délibération, il n'y a pas de vote là, Madame Borel, c'est simplement une lecture. On est d'accord, donc on prend acte de la lecture de la charte de l'élu local. Là, par contre, il s'agit d'une délibération. Je vous propose la délibération classique qu'on présente le jour d'installation des conseils municipaux sur la délégation de compétences du conseil municipal au maire. Et ça résulte de l'article L21-22, alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales. Cette délégation, elle a pour but essentiellement d'alléger les conseils municipaux, quoi, pour éviter tout un tas de petites délibérations qui n'auraient pas beaucoup d'intérêt et qui chargeraient les conseils municipaux. Voilà. Cette délégation du conseil municipal au maire est conforme à celle que nous avions prise en 2005, en 2008, en 2014, si sont simplement rajoutés les textes de loi qui sont apparus depuis, en particulier en 2017 et 2018. Et elle est conforme aussi à ce qui se pratique dans tout un tas d'autres communes de notre pays. Voilà pour cette proposition de délégation du conseil municipal au maire. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur cette proposition ? Pas d'intervention ? Qui est contre cette proposition de délégation du conseil municipal au maire ? Pas de contre ? Abstention ? Cette abstention adoptée à la majorité. Ensuite, c'est la dernière délibération, notification de l'arrêté du préfet ou du haut commissaire ainsi que du lieu et de l'heure de réunion de désignation des grands électeurs qui éliront les sénateurs à tous les membres du conseil municipal. Donc, je suppose, voilà, vous êtes en train de distribuer l'arrêté, c'est très bien. Vous savez qu'il y a des élections sénatoriales le 27 septembre 2020. Et donc, nous devrons désigner uniquement les suppléants, puisque l'ensemble des conseillers municipaux seront grands électeurs et donc pourront participer à l'élection des 8 sénateurs des Bouches-du-Rhône. Par contre, il nous faudra désigner les suppléants, mais ça, je pense qu'on le fera, Madame Borel, lors de la prochaine séance du conseil municipal, à savoir le 10 juillet prochain, la semaine prochaine. À 19h30, et probablement ici, puisque les mesures sanitaires, a priori, ne seront pas supprimées le 10 juillet. Ou alors, si elles sont supprimées, ce sera le 10 juillet, mais pour la suite. Voilà. Donc là, c'est pareil, je pense qu'il suffit uniquement de prendre acte. Il n'y a pas de vote. Voilà, ça a été notifié, il n'y a pas de vote particulier. Le vote s'effectuera donc la semaine prochaine. Alors, donc, on a terminé avec cette séance du conseil municipal. Juste quelques petits mots, je vais être très rapide, parce que vous savez que les instructions ministérielles, c'est d'aller le plus vite possible sur la séance d'installation pour cause de Covid. Mais bon, quand même, hein, je prends juste quelques petites minutes avant d'aller, avec l'ensemble des élus municipaux, s'ils le souhaitent, déposer une gerbe au monument aux morts. C'est la tradition dans cette commune. Après chaque installation de maire et de conseiller municipal, on va déposer une gerbe au monument aux morts. Et si monsieur Thomas le veut bien, nous déposerons la gerbe ensemble tout à l'heure, donc au monument aux morts de Saint-Rémy. Juste pour vous dire rapidement que, évidemment, l'installation d'un maire et des adjoints et des conseillers municipaux, c'est un acte important dans la vie démocratique d'une commune. Ce matin, ça s'est fait, bien sûr, vous le vivez tous, dans des conditions très, très particulières, notamment sur la forme, puisqu'on avait tous un masque en rentrant ici. On se doit de garder une certaine distance, donc on n'a pas pu
tous ceux qui ont voulu venir n'ont pas pu le faire. Je suis le premier à le regretter et à m'en excuser, mais bon, voilà, c'est comme ça, on respecte les instructions. Je tiens à remercier les services municipaux pour l'organisation de cette séance, qui, encore une fois, n'était pas facile, hein. Mais je tiens plus globalement à les remercier pour l'organisation des élections au premier tour, pour tout ce qui a été fait entre les deux tours et en particulier au moment de la crise sanitaire. Je tiens à les remercier aussi pour l'organisation du deuxième tour dimanche dernier. Et je tiens à vous dire que votre professionnalisme fait honneur, Madame Borel, au service public. Alors, je cite Madame Borel parce que c'est la DGS. Je ne peux évidemment pas citer l'ensemble des employés municipaux, mais vous transmettrez à l'ensemble des services donc nos profonds remerciements. Et ça me permet de faire la transition. C'est en s'appuyant sur le service public communal que nous allons poursuivre notre action au service des Saint-Rémoises et des Saint-Rémois. Nous avons une importante feuille de route. Hein. Je ne vais pas ce matin rappeler notre programme. Hein. C'est pas le lieu. Hein. Encore une fois, on se doit d'aller relativement vite. Mais donc, on a un programme d'axe fourni et nous allons, dès lundi prochain, puisque nous avons une réunion de la majorité municipale dès lundi soir, commencer à mettre en œuvre. Voilà. Tout ça dans le respect, la dignité et l'humilité que l'on doit donc aux Saint-Rémois. On va essayer d'être digne de la confiance que les Saint-Rémois nous ont accordée en travaillant et en étant à leur service pendant 6 ans. Les derniers mots, c'est pour remercier les élus de la majorité municipale pour votre confiance. Merci pour vos 22 voix pour ma 5e et dernière élection de maire. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des candidats à la liste, hein, l'ensemble des 31 candidats de la liste. Saluer ceux qui sont présents ce matin et qui, pour cause de proportionnel, n'ont pu être élus. Saluer plus largement les 4876 Saint-Rémois qui ont participé au deuxième tour. Ça donne une participation à hauteur de 55%. C'est 15 points de plus que la moyenne nationale. Donc, je pense qu'on peut tous se féliciter de cette participation forte des Saint-Rémoises et des Saint-Rémois. Et permettez-moi quand même de remercier un petit peu plus particulièrement les 2332 Saint-Rémois qui ont fait confiance à notre liste, tout en saluant les 2327 Saint-Rémoises et Saint-Rémois qui se sont exprimés pour la liste concurrente, dont je salue les 7 élus présents ce matin. Voilà, à titre personnel, je me permets un petit mot pour ma mère, sans qui, si tu n'as la palissade, je ne serais pas là. Donc, merci pour ta présence. Je remercie également mes proches, les élections municipales et plus particulièrement cette année avec la crise du Covid qui est venue s'insérer au milieu. C'est toujours des périodes longues, difficiles, un petit peu tendues et ça a été plus particulièrement cette année. Donc merci à l'ensemble de mes proches qui sont là et que je salue pour m'avoir aidé et soutenu pendant cette période. Et dernier petit mot pour mes prédécesseurs. Monsieur Richaud, malheureusement disparu, qui m'a mis le pied à l'étrier, si je peux dire les choses comme ça. Je voudrais saluer également Monsieur Pampaloni, avec qui j'ai beaucoup appris entre 1989 et 1995 dans l'opposition municipale. Petite anecdote, un jour on avait sorti un tract un peu, comment on pourrait dire, un peu... Pas très gentil pour lui, il a pris le tract, il a plié, il s'est allé sur le conseil municipal, il me l'a jeté dessus. Donc ça, c'est des bons souvenirs qui apprennent à vivre quand on est dans l'opposition municipale. Et je tiens à vous rassurer, depuis, ça ne s'est plus jamais reproduit au sein de l'Assemblée municipale. Mais bon, je salue néanmoins M. Pampaloni et je salue M. Palix, mon dernier prédécesseur, donc, qui est présent ce matin. Merci de ta présence républicaine. Voilà, encore une fois... merci d'être venu dans des circonstances un petit peu particulières. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose d'aller déposer une gerbe au monument aux morts. Monsieur Thomas veut s'exprimer. Il n'y a aucun problème. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à tous les élus du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence. Je voulais prendre la parole pour vous dire quelques mots au nom des 7 élus du groupe du Renouveau Saint-Rémois. Il y a près d'une semaine, les Saint-Rémois ont été un peu sidérés, estomaqués,
médusé devant le résultat des élections municipales et de ce second tour à Saint-Rémy-de-Provence. 5 voix. 5 voix, c'est le nombre de suffrages qui nous sépare, qui sépare les deux listes qui se sont présentées aux électeurs dimanche dernier. Ça fait la 2e fois à Saint-Rémy qu'un faible écart sépare 2 listes concurrentes au second tour des élections municipales. On pourrait penser que, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, à Saint-Rémy, rien ne se fait comme ailleurs, mais ça interpelle. Et toute cette semaine, j'ai rencontré des Saint-Rémois et des Saint-Rémois qui m'ont interrogé, qui m'ont questionné sur les conditions d'organisation de cette élection. Bien moins de loi l'idée de mettre en cause l'organisation des élections par les services municipaux et les employés municipaux. Vous avez dit sur les réseaux sociaux en début de semaine que vous honoriez de diriger une administration qui avait fait son travail. Je ne conteste pas. Et donc, les interrogations portent sur l'organisation par les élus sortants qui étaient en place la semaine dernière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif de Marseille. Nous l'avons déposé hier. Pourquoi nous avons fait ce recours? Tout simplement parce que nous contestons l'organisation de cette élection la semaine dernière. Nous avons noté un certain nombre d'irrégularités, de dysfonctionnements, de manœuvres qui ont, de notre point de vue, porté atteinte à la sincérité du scrutin. Et donc, comme dans notre pays, il y a des droits, on utilise le droit de solliciter la justice administrative pour trancher ces problèmes. Et je fais confiance, et nous faisons confiance à la justice pour trancher ces problèmes. Mais ça me paraît quand même suffisamment grave pour en parler ce matin, et pour que je prenne le temps de vous le dire. La commune de Saint-Rémy a déjà été confrontée à ce type de problème. Monsieur Milan est bien placé pour le savoir, puisque maintenant qu'il fait partie de votre majorité, il n'a pas dû oublier qu'il avait lui-même déposé un recours contre votre propre élection en 2014. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas prendre part au vote ce matin, parce que nous considérons qu'il y a encore à attendre la décision de la justice administrative. Pour le reste, nous sommes là ce matin parce que nous sommes respectueux de la confiance que nous ont accordée les 2327 électeurs la semaine dernière. Et qu'il y a un respect évident à avoir à leur égard, et je voudrais saisir cette tribune pour les remercier chaleureusement de la confiance qu'ils nous ont accordée. Nous serons là autour de votre table, autour de la table du conseil municipal, en étant vigilants, exigeants, pugnaces, comme nous l'avons toujours été pendant la campagne électorale. Une campagne, vous l'avez rappelé, unique en son genre et inédite dans l'histoire de Saint-Rémy. Et c'est peut-être pas terminé d'ailleurs. Et donc, nous allons là porter, avec mes 6 autres collègues, les propositions, les idées, les exigences du renouveau Saint-Rémois. Nous sommes légitimes à le faire puisque nous sommes à 5 voix d'écart et que nous avons la confiance de la moitié des Saint-Rémois qui se sont exprimés dimanche dernier. Donc, nous le ferons avec respect, avec dignité, avec humilité et modestie, comme on l'a toujours fait, mais vous pourrez compter sur nous pour être vigilants et pugnaces dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous remercie. Je prends acte de ce que vous venez de dire, Monsieur Thomas, mais moi, je ne peux pas laisser passer le vocabulaire que vous avez employé. Irrégularité, dysfonctionnement, manœuvre. Il n'y a plus de la part des élus municipaux sortants, quels qu'ils soient, ni d'irrégularités, ni de dysfonctionnements, et encore moins de manœuvres. Moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Les élections se sont déroulées à Saint-Rémy comme elles se sont toujours déroulées, de la manière la plus claire et la plus transparente possible. Le tribunal jugera, hein, vous avez la possibilité de déposer un recours, vous l'avez fait, dont acte, moi, je n'ai pas à commenter ce genre de choses. Par contre, je ne peux pas vous laisser dire, hein, irrégularité, dysfonctionnement et manœuvre. D'ailleurs, vous-même, vous avez cité M. Milan et les élections de 2014. Effectivement, en 2014, il y a eu un premier recours au tribunal administratif et un deuxième au Conseil d'État. Et les deux cours ont démontré qu'à Saint-Rémy, les choses se sont passées correctement. Donc, ça a été le cas en 2014. Ça a été le cas aussi en 2020. Encore,
Donc, moi, je ne peux pas vous laisser parler comme ça des élus municipaux. Il n'y a pas de suspicion particulière sur les élus municipaux. Ils ont fait leur travail. Vous étiez plus nombreux que nous du matin au soir dans les bureaux de vote. Donc, je ne vois pas très bien quel problème il y a pu avoir. Après, effectivement, à Saint-Rémy, ça fait deux fois qu'on a un résultat serré. Et alors, démocratie, ben, c'est une voix. Là, il y en a cinq fois plus qu'une. Donc, voilà, c'est comme ça. Je comprends qu'il puisse y avoir un peu d'amertume, parce que quand on perd à cinq voix, effectivement, j'imagine que ça ne fait pas plaisir. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a eu des manœuvres pour, quelque part, modifier le résultat du vote. Ça ne s'est jamais passé à Saint-Rémy, et ça ne s'est pas passé cette fois non plus. Donc, désolé, mais moi, je conteste totalement le vocabulaire que vous avez employé. Après, vous êtes cet élu, vous allez faire votre travail d'opposant, en étant vigilant, en étant pugnace, comme vous l'avez dit, là-dessus, problème. Mais je ne voudrais pas que les Saint-Rémois puissent imaginer qu'à Saint-Rémy, les opérations électorales ne se soient pas déroulées dans la rigueur, dans la transparence et dans la régularité qu'on demande à l'ensemble des élus de France. Voilà. Maintenant, si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de lever la séance. Bien, si vous en êtes d'accord, je vous propose de lever la séance et d'aller donc déposer une gerbe au monument aux morts. Monsieur Thomas et moi-même.